Ok, on y est. Donc là, du coup, normalement, ça fonctionne. Si je suis sur le bon profil, donc on va juste attendre que les gens reviennent si c'est ok. Ah, une Ah, c'est personne. bon. Ok. Donc bonjour à la personne qui vient d'arriver, aux personnes qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à me dire si le son fonctionne bien. Si vous m'entendez, juste un petit commentaire pour me dire que ça fonctionne. J'attends vos retours. Un petit like déjà, 12 personnes. Si au moins une pouvait me dire que le son fonctionne bien, ça serait top. Ah, je vois que ça arrive un petit peu plus. On t'entend bien, Melv, parfait. Merci Clémence. J'espère que ça va. Salut à Maya. Allez, installez-vous un petit peu. Je m'étais trompé de compte exactement, Mélanie. J'étais pas sur la bonne page. C'est pour ça que ça marchait pas. C'est la première, hein. C'est la première, il faut bien se lancer. Allez, du coup, le temps que vous vous mettiez en place, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc déjà, bonjour à tous. Avant de commencer, merci beaucoup pour tous les messages qu'on a eus. Donc là, je parle au nom de l'équipe, bien sûr. On a eu beaucoup de messages de soutien, donc ça, c'est super sympa. On a eu beaucoup de bons retours sur les vidéos qu'on vous a présentées au cours des 2 semaines. Donc c'est cool aussi, merci à vous. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, comment ça va se passer? C'est une demi-heure, on va travailler tout le corps, c'est juste histoire de travailler ensemble un petit peu. Les exercices, vous les connaissez, vont être simples. Pour le matos du jour, vous allez avoir besoin d'un sac. D'accord? Donc si vous avez un sac à dos, je suppose que tout le monde en a un sac à dos, et dedans, vous y mettez un petit peu de poids. D'accord? Moi, j'ai mis 2 ordis et un gros livre. Voilà, c'est histoire d'avoir une charge en plus. Et on va avoir besoin seulement de ça. Ok? N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure si vous entendez bien, surtout quand je vais mettre la musique derrière, n'hésitez pas à me dire si vous entendez toujours ma voix. D'accord? Quelle heure est-il, chef? 6h06. 6h06. On est prêt? On va pouvoir démarrer? Donc vous avez un sac à dos, vous le mettez de côté pour l'instant, et puis c'est comme à la salle, hein? On a la bouteille d'eau, la serviette, et on est parti. Ça marche? Donc je mets la musique. Fais le coucou Claire Sauvois, s'il te plaît. Elle est cachée, elle est juste derrière. Ok? Donc, on y va, on met la musique, on va s'échauffer un petit peu. Et puis, ben c'est parti, hein? Ouais? Allez, et si jamais vous ratez bien sûr cet entraînement, no stress, la vidéo sera sur la page Facebook. Donc, pas de souci si vous le ratez, que vous n'avez pas le time aujourd'hui. Voilà, pensez à bien revenir sur la page quand vous voulez vous entraîner. Donc, on commence, je mets la musique. Et on va s'échauffer un petit peu. Let's go! Donc, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort ou pas assez. Allez, c'est parti. Il y en a qui se mettent un petit peu avec moi. On y va. Donc, au niveau de l'échauffement, vous allez commencer par ouvrir bien les hanches. Et on commence. Premier passage au sol. C'est parti. Juste ici, vous restez en position de planche. Vous serrez le ventre et vous gardez les mains sous les épaules. On avance. Une jambe devant, un petit peu d'ouverture de hanche ici. On change, même chose de l'autre côté, un peu d'ouverture de hanche. Et on redresse. Petite course, montée de genoux simple. Allez, la même chose un petit peu plus haut, 15 secondes, c'est parti. Donc pensez à bien garder la tête haute et à ouvrir. Encore un peu, 8 secondes. Ok, vous pouvez relâcher. On y va pour le deuxième. Descente et tape épaule. 4, 3, 2, 1. Je tape, je tape. 1, 2, 3, 4. On redresse. Encore. Allez, on maintient ça. Et on fait la même chose. 2 fois de plus. Continuez. Juste, c'est toujours bon pour le son. Ça a l'air pas mal pour le son. Il n'y a pas de plainte pour l'instant. On le fait une dernière fois. 1, 2. Redressez. À nouveau, montée de genoux. Allez, continuez. Donc ça, c'est l'échauffement. On essaye de faire monter un petit peu la pression ici. Et ensuite, on pourra démarrer. N'hésitez pas à adapter les niveaux si vous avez besoin. Ouvrez les jambes. On y retourne. Au sol, descente. Restez ici. Serrez votre ventre. Allez, encore un petit peu. À nouveau, vous allez avancer votre jambe droite. Ouverture de hanche, vous redressez.
Venez ici, bien étiré, c'est le travail de préparation pour la suite. Switchez à gauche. Vous poussez, vous ouvrez à nouveau. Ok. On est reparti, montez de genoux. Petit travail simple de mise en tension du corps. 4, 3, 2, 1, stop. Ok, on est bon pour cette première étape? Allez, vous pouvez récupérer votre sac à dos que vous avez normalement préparé, si vous êtes des bons élèves, j'espère que oui. Vous placez votre sac. Pensez toujours à la petite ceinture de sécurité. Et c'est parti! On a notre charge, vous pouvez bien sûr faire tout ça sans matériel. Placez vos jambes juste sous les hanches. Main devant, on y va pour du squat. 1, 2, 2, 1. Ok, excellent. Pour la position, c'est hanche vers l'arrière puis vers le bas et vous redressez. La charge, elle est là pour mettre un petit peu plus de pression dans les cuisses. On continue. Vers le bas, vers le haut. Si vous êtes habitué des cours collectifs, rien ne change. Hein. La seule chose, c'est que je suis dans mon salon au lieu d'être à la salle avec vous. D'accord? C'est la seule différence. On y va pour la suite. Rapide en bas et vous bloquez. Lent pour redresser. Encore. Rapide, on bloque et on redresse lentement. Ça vous dit de faire ça une fois de plus? Allez, prochaine étape. Trois petites pulses. 3, 2, 1. Vous levez. 3, 2, 1, ouais, encore une fois, hein. Pensez à bien garder la poitrine haute, vous serrez le ventre et vous poussez les hanches vers l'arrière. Ça, ça fait du bien, on continue. Ventre serré toujours. On revient les mains sur les hanches. Il nous reste une dernière fois, on y retourne. Un deuxième tour, 2 et 2 vers le bas. 1, 2, 1, 2. Profitez-en ici. Pour vérifier au niveau de vos genoux que tout parte bien sur l'extérieur et que tout aille bien. Vous continuez comme ça 4 fois de plus. Je regarde une dernière fois les commentaires. Tac, tac. Au niveau du son, il n'y a pas de retour de soucis, donc ça a l'air de bien se passer. Alors on continue. On est toujours en 2, 1, 1 et 2. Encore? Ok, prochaine étape à nouveau. Rapide en bas. Bloquez tout. Redressez. Là, normalement, vous devez sentir un petit peu les cuisses qui se réchauffent. Alors on va pouvoir accélérer. La suite, c'est du squat single. Il y en a 16. 1 et 2. Le rythme est un petit peu plus rapide. N'hésitez pas bien sûr à aller chercher plus bas. Et la position, c'est toujours la même. Buste droit, hanche vers l'arrière, puis vers le bas. 8 de plus. 8. 7. 6. 5, encore un petit peu, restez avec moi. 3, 2, 1, ok, on break. Une petite pause. Comme toujours à la salle, vous pouvez, bien entendu, boire un coup. Et on est parti pour le deuxième tour. Vous allez reculer votre jambe droite, loin derrière, on descend. Vers le bas, vers le haut. Allez, pour la fente, c'est un petit peu plus technique. La jambe va loin derrière. Je garde le poids du corps juste au-dessus. Et on maintient ça. 4 tours. 1, 2, 1, 2. L'objectif ici, c'est de trouver l'équilibre, d'avoir les abdos serrés pour être bien en place. Et c'est déjà plus difficile quand on reste en bas. 3 pulses. 3, 2, 1. Redressez. 3, 2, 1. On est dans l'échauffement accéléré, hein. Je ne vous le cache pas, la température commence à monter un petit peu. On continue, 4 fois de plus. 3, 2, 1, redressez. Allez, les deux derniers. À la maison, n'hésitez pas à mettre un petit peu de musique aussi, hein. Ramenez la jambe, changez vers le bas, vers le haut. On a basculé de l'autre côté, hein. On est sur la jambe gauche, on va essayer d'équilibrer tout ça. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas travailler un petit peu les fesses. Donc n'ayez pas peur de descendre un peu plus. Et continuez. Vers le bas. Vers le haut.
On est toujours sur un rythme cool et vous voyez que je descends dans le sol, hein. Évitez ça surtout. En plus, on sort du cadre, on n'y est plus là. Hein. Encore une. Ok. 3 pulses. 3, 2, 1, redressez. 3, 2, 1, redressez. Allez chercher un petit peu plus bas. Pensez à lever le menton pour l'équilibre. Maintenant, j'aimerais ça plus bas. 3, 2, 1, repoussez rapide. Petit en bas, on charge les cuisses et on repousse. Si jamais vous êtes pris par une autre occupation, n'hésitez pas, on pourra le faire demain ça. Ramenez les jambes, squat, single. Vous avez vu que naturellement, on a ouvert un petit peu plus les pieds. Ouais, on est passé dans le squat plus large. On a toujours notre charge sur le dos, ou pas d'ailleurs. Hein. Continuez. 8, 7, 6, 5, on maintient, 4, 3, 2, 1, stopper. Est-ce que ça va pour cette première petite partie? Ouais, on a l'habitude de ça, hein. Les cuisses elles sont prêtes. Prenez votre sac, juste ici par les bretelles, vous le placez et vous descendez vers le bas et vous repoussez, 4, 3, 2, 1, d'accord. L'objectif ici, c'est de garder les jambes tendues, de maintenir le dos à plat. On vient travailler l'arrière des cuisses et les fessiers. Encore. 4, 3, 2, 1. Redressez. 4, 3, 2, 1. On continue. Dès que vous sentez une sensation d'étirement derrière, vous ralentissez. Hein. Rapide. Lent pour redresser. Ça donne ça. 1, 1. 2 et 3, encore. On va rendre ça un tout petit peu plus intéressant. Restez en bas, bloqué. Avec les bras, vers le haut, vers le bas, d'accord. On bascule gentiment sur la partie du haut du corps. C'est du tirage ça, hein. Les coudes restent proches. Single, haut, bas. Au niveau de mes jambes, je suis toujours tendu. D'accord. L'objectif, c'est de travailler en étirement sur les ischios et de commencer à mettre de la pression dans le dos. Alors, bien entendu, ça, bon merci. Hein. Ici, je pousse les fesses comme si je voulais le montrer à mon voisin et je tire et j'allonge. Ok, on allait toujours bien là-dessus. Redresser. 4, 3, 2, 1. On reprend. Normalement, on a les premières sensations au niveau du corps. Hein. Il fait juste un tout petit peu plus chaud. On accélère, 2 et 2. Vers le bas, vers le haut. Encore, 1, 2, 1, 2. Continuez comme ça, je vérifie juste que tout va bien. Automne, ok, single. En bas, en haut, en bas, en haut. Allez. On est toujours axé sur les jambes et les fessiers ici. Hein. Mais pour laisser tout ça récupérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer et on va tirer. C'est parti avec moi. Haut, bas, haut, bas. Alors bien évidemment, c'est comme les cours à la salle. Hein. N'espérez pas avoir trop de pauses. Vous savez comment ça se passe avec moi. Hein. J'oublie tout le temps de faire des pauses, donc on reste en tension. L'objectif, c'est que ça soit court et efficace. Encore un peu. Excellent. Vous allez pouvoir redresser, relâcher. Replacez votre sac sur votre dos. Ouvrez largement les jambes. Et là, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Hein. Squat large, single. Bas, haut. Oui, pour les fessiers, on reste absolument dessus ici. Avec cette position plus large. En plus, ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus bas parce que votre dos, il est bien placé. Alors, on va chercher plus bas. Et là, on est dans la phase que vous n'allez pas apprécier. Moi non plus d'ailleurs. Hein. C'est le confinement pour tout le monde. Il y a moins d'entraînement, il y a plus de nourriture. Donc forcément, c'est plus dur. En bas, stop. Restez ici. Bien sûr, je ne vous vois pas, mais les mains ici... C'est niette, hein. Là, on relâche.
Et vous allez venir juste avec vos talons, droite et gauche. Droite, gauche. Et est-ce que vous sentez que ça tremble? Je sais pas si en vidéo ça rend bien. Chez moi, ça tremble un peu. Hein. 1, 2. 1, 2. Regardez la prochaine combinaison. Restez là-dessus. Droite, gauche, pousse, descend. Droite, gauche, pousse, descend. Ok. Ici, on recherche un petit peu d'explosivité. Alors, hop, n'hésitez pas. Pour la prochaine étape, si vous le souhaitez, oui, hein, on va chercher un petit peu plus loin. Avec un squat jump, droite, gauche, saut et pause. Droite, gauche, option, ici. Hein. Droite, gauche, saut et pause. On a la charge qui est bien placée sur le dos, donc on craint rien. Hein. Stop. Vous pouvez commenter en live, hein. Dites-moi bien. Au niveau des cuisses, ça y est, ça tire un peu, d'accord? Ce qu'on va faire pour souffler légèrement, on va rebasculer le sac devant. Ah, avec les enfants, c'est pas évident, hein. Tu peux t'en servir comme poids, hein, si jamais, hein. Ça peut marcher. Vous allez prendre votre sac à une main, vous placez sur votre jambe gauche. Je vais rester là. Sur votre jambe gauche. Et ici, hein, je descends le buste. Et je suis sur une jambe. Le poids est à l'opposé de la jambe qui travaille. Hop. On y est, on doit deux. Vers le bas. Vers le haut. Encore. Allez, continuez. Ici, ça nous permet de récupérer sur les cuisses, de souffler un petit peu au niveau cardiaque et de continuer à maintenir cette tension dans les fessiers. Vous allez pouvoir très rapidement changer de main, changer de pied, vers le bas, vers le haut, d'accord? Essayez d'utiliser votre jambe arrière comme balancier, de la garder tendue, et en faisant ça, vous êtes sûr de placer le feu au bon endroit. On continue? On est resté un petit peu plus longtemps. Hein. Alors il me reste une répétition et pour la suite, avec vos bras, loin devant, vous maintenez tendu, vous prenez sur les côtés et vous relâchez. D'accord? Si besoin est, hop, vous décalez un pied. Le but ici, c'est de garder le buste bien redressé. N'hésitez pas à exagérer un petit peu. Hein. 4, 3, 2, 1. On redescend. Ok, même chose plus rapide. 2 et 2, on accélère. Ouais, c'est vous qui avez mis la charge dans le sac. Hein. C'est maintenant qu'il faut l'assumer. Vers le haut. Vers le bas. Encore une fois. Ramenez les deux pieds. Let's go, on accélère. Single. Haut, bas. Haut, bas. Vous voyez surtout éviter hein, ça, d'accord? Pas de mouvement de balancier. Le but, c'est de travailler strictement les épaules. Donc, essayez d'isoler un maximum. Ici, haut, bas, haut, bas. Encore. On laisse la brûlure s'installer. Et là, on se dit que le club, c'est bien quand même. Hein. Il manque la clim, il manque les antilos là. Donc, il fait chaud. On continue. Allez, travail long d'endurance sur les épaules. Vous allez voir que ça va nous servir parce qu'on va bientôt passer au sol. Il reste deux répétitions. La dernière, elle est ici. Et vous relâchez. Vous pouvez poser votre sac à côté. N'hésitez pas à boire un petit coup. D'accord? On est bien. On est très très bien. Ça fait 19 minutes qu'on est ensemble, d'accord? Ça commence à sentir l'étirement aux cuisses. Oui, Chantal, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Vous allez pouvoir prendre votre serviette si vous le voulez. D'accord? Vous vous installez. Profitez-en pour souffler, on n'a pas fini. On est loin d'avoir terminé. Hop! Allez, ça démarre ici. Au niveau de l'installation, vous allez pouvoir travailler sur les genoux ou sur les orteils. On va commencer avec un renforcement simple de la partie haute du corps. Donc venez au sol. Vous placez vos mains sous les épaules. Vous levez. Et vous redescendez. Un bras, coule, je descends,
je repose. Ça vous paraît tout simple pour l'instant, hein? N'ayez pas peur, on va accélérer tout ça. Là, je suis en train de travailler sur mes genoux. Bien sûr, si je veux plus de sensations dans les épaules, je bascule sur les orteils. Et le but du jeu, c'est d'éviter ça. D'accord? On n'est pas ici pour se tordre. Le but, c'est de monter simplement la main, de pousser, de redresser et de redescendre. On est toujours en place ici. Allez, première étape, vous levez la main droite, vous restez. Ouais, tenez la position. Hein. Si besoin, hop, je pose mes genoux pour me concentrer sur mes abdos. On a toujours la main ici devant. Vous allez simplement ajouter un tirage. 1, 2, 1, 2. Cet exercice, il paraît tout bête. On est en appui sur une main, gros travail sur le centre du corps, et on vient ajouter un petit peu de mouvement d'épaule. On est toujours, hein? Ouais. Tirez, poussez. Tirez, poussez. N'ayez pas peur de prendre les options, elles sont là pour ça. Tirez, poussez. Ok, placez les deux mains larges. On y va pour quelques pompes. Single. En bas, en haut. Pour le placement de vos bras, je ne vous vois pas, mais je vous connais. Donc évitez de placer vos bras ici et travaillez-les plus proche de vous. 1 et 2. Je crois qu'on a un invité. 4, 3, 2, 1, stoppez. Allez, on va pouvoir se remettre en place. Si tu veux bien te décaler un petit peu, merci. Les aléas du direct. Placez vos mains. Cette fois-ci, vous commencez par la main gauche en 2 et 2. Vers le haut, vers le bas. On reprend le même exercice. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Si ça s'est bien passé au premier tour, venez sur les orteils. Ouais. On y est toujours. Vers le haut, vers le bas. Main droite. Vers le haut, vers le bas. Encore. Dernière fois. On y va pour se bloquer avec la main gauche en haut. Tirez. Go. Le coude vers l'arrière. Et même si vous n'avez pas de charge, quand vous faites ça, imaginez vouloir serrer votre dos. D'accord? Imaginez ça. On continue. 15 secondes. Tirage. Poussez. Deux mouvements. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait fait pour finir? Les mains larges. Pompe. Single. Accrochez-vous. Tu me voles la vedette, hein? Ok, relâchez. Vous allez juste pouvoir secouer un petit peu les bras. D'accord? On va repartir de vous. Hop. Vous allez reprendre votre poids. Salut Pascal, j'espère que ça va. Hein. Ouais, j'ai pas mis ton mix pour l'entraînement, j'aurais pu. Hein. Vous avez votre sac ici. Vous allez plier les bras, le placer sur vos clavicules. Et là, vous savez très bien ce qu'on va faire. Hein. On va commencer par du squat. Vers le bas, vers le haut. D'accord? Alors, normalement, les cuisses, elles sont déjà ultra affûtées. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit rappel. Ça vous dit qu'on ajoute? De la vitesse. Et du press. En bas. En haut. Quand vous faites ce mouvement ici, les bras sont tendus bien sûr. Hein. Ouais. Relâchez, squat. Vers le bas. Vers le haut. Pendant que vous faites ça, les épaules, elles récupèrent un petit peu. Parce qu'on va mettre un deuxième tour. Avant ça, travaillez juste sur le haut. Poussez, stop. Vers le bas. Poussez, stop, vers le bas. Encore? Ouais, c'est parti pour la suite. On ajoute le squat, bas,
Et haut. Allez, continuez. On est sur du single. Merci Pascal, super. Placez les coudes. Bas. Oh, ça vous dit 8 de plus. Yes, hein. Encore. 4. 3. 2. 1. Stop. Ouh. Ça va mieux? Juste une petite main sur le cœur pour prendre la température. Ça tape, hein? Ouais. On y va pour la suite? Un dernier petit travail intense sur les cuisses. On a affûté le haut du corps. On y reviendra un petit peu après. Pour l'instant, vous allez placer votre jambe droite, loin derrière. Et vous repoussez. 4, 3, 2, 1. La vidéo est inversée, du coup, ma droite, c'est ma droite pour de vrai. Habituellement, c'est pas comme ça. Single, repartez. 8 fois. 8. 7. 6. Un dernier petit challenge pour les jambes. Avant de passer au centre du corps. D'accord ? Vous allez tout de suite changer de jambe 4 temps vers le bas. 4, 3, 2, 1, redressez. Ouais, une deuxième et dernière fois. 4, 3, 2, 1. Pour la suite, 8 singles, on équilibre. En bas, en haut. Très bien. Placez-vous en squat, bas, stop. Jambe droite, bas, stop. Revenez en squat, bas, stop. Même chose à gauche. Bas, stop. Vos épaules, plus bas. En bas, on bloque. Aïe, aïe, aïe. Jambe droite, en bas, on bloque. Ouh, va mener. En bas. Dernière fois à gauche. La suite, c'est la même chose. Plus dynamique, regardez ça. Squat, fente, squat, fente. Squat, fente, squat, fente. L'option, un squat, une fente. Un, deux. On continue. 15 secondes. Squat, fente. Option, la même chose, en sautant. On enchaîne ? Dernière fois, stop. Ouh. On va lâcher un petit peu les cuisses. C'est le premier entraînement. On essaie d'en garder un peu. Hein. Ouais. Revenez au sol. Installez-vous sur le dos. Et c'est parti pour la suite. Allez, installez-vous sur le dos, on y va pour le petit challenge. Ça dure 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes statiques, et on est bon. Ok ? Vous allez vous mettre en place sur le dos. Les mouvements qu'on va travailler seront simples, ici, d'accord ? Et sur les 10 secondes de break, main levée, bras levé. Main levée, jambe levée, d'accord ? Pour maintenir la tension dans le centre du corps. Vous êtes avec moi ? Alors, c'est parti. Attention là. Hop. Yes. Placé, levé, on enroule vers le haut du corps. Vers le haut, vers le bas. Vous avez vu que mes hanches se décollent un tout petit peu. Et je souffle quand mes genoux viennent vers mon menton. Hop. On continue. Ici, on est rythmé par la musique. Stop, jambes, bras, vous restez. Tenez cette position. Deuxième exercice. Posez les pieds, levez une jambe, pulsez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ici, une seule jambe dans le sol, la jambe étendue, ou en option avec les deux pieds au sol. Et j'essaye de décoller mes hanches le plus haut possible. On est prêt ? Attention, il n'y a pas de récupération. Hein. Jambes, bras, stop. On bloque ici. Si vous voulez un niveau supérieur,
vous allez chercher plus bas. On reprend l'enroulé. Levez, descendez. Levez, descendez. Encore. Rappelez-vous que vous devez souffler maintenant. On continue. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ventre aspiré, abdos contracté. Et on bloque. Stop. Je vous dis pas où on en est, hein. Vous allez me tuer sinon. Deuxième tour, l'autre jambe, pulsez. Allez, en rythme. Donc vous m'avez compris, hein, si vous étiez sur la jambe droite tout à l'heure, vous êtes maintenant à gauche. Ouais, ça devrait le faire. On enchaîne, on enchaîne. Pam, 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 pam. Prêt ? Stop. Et ici, on est parfaitement à la moitié. Alors on va tout recommencer, plier les jambes, enrouler de bassin vers la poitrine. 1, 2, 1, 2. Soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, encore. Yes. Le challenge, il est de ne prendre zéro récup. Absolument rien, pas de temps mort pour les abdos. Tout reste dessus et je bloque. Ouh, l'option c'est ça. Je plie mes jambes. Deuxième tour, posez le pied, décollez une jambe, pulsez. Allez, on bouge avec la musique. Bam, bam. Le pied bien à plat, c'est le talon qui pousse vers le plafond. Et là, bam, j'essaye d'aller chercher haut pour remettre encore un petit accent sur mes fessiers. Comme ça, on aura été confiné, mais on aura des belles fesses pour cet été. Posez, levez, stop. Il en reste deux. Pliez, enroulez. Souffle, souffle, inspire, inspire. Hop. Ouais, encore un petit peu, on arrive quasiment au bout. Hein. Pour les abdos, soyons honnêtes, ça tire un peu. Hein. On bloque. Il reste un dernier set. Un dernier set. Ne me lâchez pas. Posez. Changez de pied. On finit. Go. Pam, 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 pam. Allez, c'est le dernier tour. Il nous faut 10 secondes supplémentaires. 10, 9, 8, 7, qui a lâché? 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Soufflez un peu, restez allongé dans le sol. Restez allongé dans le sol. Hop. Est-ce que tu peux juste baisser un petit peu le son? Non, c'est bon. Restez allongé dans le sol, vous savez comment ça se passe. Hein. Ouais, une demi-heure, on transpire. Hein. Moi aussi, je transpire. Il fait un petit peu chaud. C'est là où on se dit qu'on a de la chance d'être à Océania quand même. Ventilation, climat 18, c'est le bonheur. Hein. Restez allongé ici. Prenez un petit peu d'espace, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à retirer vos chaussures. Hop. À vous laisser plomber dans le sol et à souffler. Pour détendre ces abdos qu'on vient de matraquer pendant 4 minutes, vous allez lever les bras et aller chercher loin. Alors je suis un peu grand, du coup je pense que je dépasse de la vidéo, mais vous avez compris le principe. Hein. Les mains le plus loin possible des pieds, tout ça en tirant le plus sur le ventre. Vous allez maintenant ramener une jambe, vous la pliez, et vous mettez le genou proche de vous en gardant le dos sur le sol. Oula. Allez, la même chose de l'autre côté. C'est bien, tu peux passer. Quel délire. Là. Allez, avec les deux genoux. Donc, si vous avez des partenaires, n'hésitez pas à jouer avec eux. Hein. Eux aussi, ils ont le droit de s'entraîner. Chacun fait son sport. Vous allez simplement ouvrir vos genoux, laisser les genoux tomber sur l'extérieur pour libérer les adducteurs. Je
Ok. Revenez en position assise. Gardez les jambes ouvertes ici. Quand vous inspirez, vous levez le menton. Vous ouvrez la poitrine. Et quand vous expirez, vous poussez les genoux sur l'extérieur. Oui. Hop. Ouais. On en profite, hein. Allongez vos jambes. Le bras droit, du coup, c'est inversé. On étire sur les côtés ici. Relâchez, faites la même chose de l'autre côté. Hop. Vous allez pouvoir maintenant rapprocher vos jambes. Dérouler tout doucement. Ça, vous connaissez la musique, hein. On ouvre, on se grandit une première fois, on inspire, on relâche. Et vous le savez, j'aime bien les choses qui vont de pair, donc on le fait une deuxième fois. Ouvrez, grandissez-vous, inspirez, bloqué, on relâche. Et même si je suis tout seul, bon travail tout le monde. D'accord ? Si vous avez suivi cet entraînement en direct, surtout n'hésitez pas à faire des retours. D'accord ? Non, le chat il s'appelle pas Pump, il s'appelle Ola. Ok ? Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces petits entraînements, surtout de ces vidéos en live. D'accord ? Vous avez vu le nouveau planning, n'hésitez pas à aller voir tous les jours la page Facebook. La prochaine séance, ça sera jeudi matin à 9h30 avec Florence. Et ça sera un yoga, quelque chose d'un petit peu plus cool, d'accord ? Pas que des entraînements difficiles, aussi de l'assouplissement, de la relaxation et du travail plus en profondeur, ok ? Donc, on remet ça demain. Si tu veux faire la vidéo, bien sûr, elle est sur la page Facebook, ok ? Moi, là, je prends mon repos pour une semaine. Je suis oxy. Donc, j'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Je vous fais de gros bisous à tous. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début, merci pour tous vos messages de soutien qu'on a reçus, d'accord ? Pour tous les bons retours sur les vidéos qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc vraiment merci à vous, on a de la chance de vous avoir et ça vient de toute l'équipe, d'accord, pas seulement de moi. Donc à très bientôt, restez connectés surtout. L'objectif c'est de rester ensemble malgré ce confinement, de continuer à faire un petit peu de sport. Le but c'est pas de vous mettre la pression et de revenir quand la salle va réouvrir en étant ultra en forme, vous avez le droit de vous reposer aussi, mais le but c'est de garder un petit contact entre nous, d'accord. Juste regarder le live sans forcément faire la vidéo tout de suite, c'est pas important, vous pourrez la faire demain, après-demain quand vous serez plus en forme. Ok, live c'est top, ça marche. Donc je pense que ce format bien sûr va rester. Merci Doudou, on en redemande. Super ces vidéos live, merci Vanessa. Ok, pas de soucis. Ben, je fais remonter ça de toute façon, mes collègues ont regardé la vidéo normalement. Donc je fais un gros bisou à tous. A très vite, c'était cool. Pas de vous avoir en direct, mais de voir vos commentaires et de voir vos petites têtes sur vos photos, ça fait plaisir. Et même si des fois on n'est pas gentil avec vous dans les cours ou quoi, vous nous manquez un peu quand même. Donc on a hâte que ça se termine pour vite vous revoir tous en forme, tous à la salle. Et ne vous inquiétez pas quand ça reprendra à Oceania Club à Saint-Paul, vous allez avoir beaucoup de surprises, d'accord ? Bien sûr, on se repose, pas que, on travaille aussi un petit peu sur ce qu'on va faire au retour. Donc à très vite, je vous fais de gros bisous à tous et ciao tout le monde ! La vidéo restera sur la page. À très vite !